إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأول الإسلام السؤال الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقدير ومسيما بطنيا الله سبحانه وتعالى سبيكي par sa faveur et sa permission, lui permette-nous pour qu'il nous continue, nous et session de rappel avec bonnes frères et bonnes sœurs. Et c'est une continuité de nos dernières sessions concernant le hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui vient enseigner nous, qui vient montrer nous un moyen facile. Comment vous gagnez une grande récompense avec une petite action, c'est un démon, comment il fait sur la nuit, vint dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. À la lumière de ce hadith-là, nous finissons apprendre quelques parmi les moyens, les façons, les bonnes actions. Comment un démon les fait sur la nuit, veut dire vint dans l'obéissance à Allah. Juste comme un rappel, nous dire, il ne faut pas oublier qu'il nous apprend à la lumière. Veut dire, paroles certaines parmi les prédécesseurs, les salaf sa ummat là, et nous la nuit, malgré que la nuit, veut dire, normalement du monde dormi, alors, un tiers de nous la vie traverse dans, veut dire, dans dormi. Un tiers, presque un tiers de nous la vie, il traverse dans dormi, veut dire, nous la nuit. Donc, afin qu'un tiers de nous la vie n'est pas vine, qui nous disent dormi, ou bien, veut dire, nous dormi, ou bien nous bannons la nuit, peine pas fini la bonne action là-dedans. Donc, à cause ça même, qu'il nous fait apprendre ces quelques principes, ces quelques bonnes actions. Pour aujourd'hui, Inch'Allah, nous réflexions, veut dire, les pour l'une action, parmi bonnes actions, qui fait nous gagner grande récompense dans nous la nuit. Qui fait nous la nuit, vient la nuit, qui pèse l'eau, le balance, Allah, subhanahu wa ta'ala, le jour du Qiyamah. C'est faire salat witr avant al-dawmi. Faire salat witr avant al-dawmi. L'époque qui nous peut vivre, aujourd'hui, malheureusement, une salat qui finit diminuer, ou bien pour certaines bandimons, il presque même disparaît. Dans un dictionnaire, salat witr, surtout nos bandes jeunes d'aujourd'hui. Surtout les générations zénès aujourd'hui, la plupart des zénès ne pas faire sa salat là. Je te fais une namaz isha, je te fais une faraz. Comment le faraz finit? Retourne la case, malgré que papy a dormi, malgré qu'il, comment dire, après il y a tant, 18 ans qu'il n'a pas dormi, mais pas faire salat, tu dire. Alors, un rappel pour nous tous. Premier, celui qui peut faire ce rappel là, et celui qui Allah peut permettre pour écouter ça rappelle là. Alors, et la salatul witr, il y en a grande importance. La salatul witr, il y en a grande importance dans, veut dire, la vie d'un individu musulman. Donc, la nuit, nous connaissons pas le dormir. Alors, parmi les recommandations, parmi les principes, les bons principes, si nous sommes sûrs qu'il nous pouvons lever avant Fajr, nous sommes sûrs qu'il ne sommeille pas pour casser, excepté avant Salat Fajr, alors, c'est-à-dire nous sommeille pour casser avant Fajr, là, les meilleurs nous retardent dans Namaz Witr là. Là, les meilleurs nous retardent dans Namaz Witr là, jusqu'à avant Fajr. Mais, si nous ne sommes pas sûrs qu'il nous pourrait s'y lever avant Fajr, si nous ne sommes pas sûrs qu'il nous pourrait s'y lever avant Fajr, les meilleurs qui nous finissent faire witir là après Noël d'Ovi. Nous finissons faire witir après Isha, ensuite la Noël, ensuite la Noël d'Ovi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit
celui qui n'a pas al-dormi, jusqu'à qu'il ait fini faire ce witr, les N personnes qui ferment. Il y a un djimoun qui ferme le soudin, un djimoun qui ferme le sunnah, un djimoun qui n'est pas dormi tant qu'il n'a pas fait ce witr. C'est-à-dire un djimoun qui n'est pas dormi sans qu'il ait fait ce witr, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qualifié comme un djimoun ferme. Apporté par Abu Huraira radiallahu anhu dans Sahih Bukhari, il dit Aousani khalili bi thalath. Il dit à mon khalil, mon camarade intime, il conseille-moi trois petites choses. Il donne-moi trois conseils. La ada'uhunna hatta amut, jusqu'à un moment où on va vous quitter ces trois conseils-là. Sawmi thalathati ayyam, min kulli shahr. Garde rosa, trois jours rosa chaque mois. Trois jours rosa chaque mois. Wa salat al-duha, salat al-duha qui nous fait entre, veut dire depuis que le soleil, ce chaleur, il commence à ressentir jusqu'à avant Zawal, wa nawmin ala witr. Troisième là, c'est, veut dire, faire witr avant al-dawmi. Trois conseils que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il donne, et veut dire, le sahabi Abu Huraira, radiallahu an, et lui dire, m'a pas fait une quitte ces trois conseils là, jusqu'à mon amour. C'est-à-dire, un promis à trois là, c'est n'a pas à dormir avant faire namaz witir. Concernant namaz witir, ben frère et ben sœur, alors, l'encouragement pour faire namaz witir, et un grand encouragement, il n'y a pas un namaz, il peut venir, mas'alala, nous pour cause mas'alala, c'est-à-dire, et divergence, est-ce qu'il est obligatoire ou bien il n'est pas obligatoire. Il y a une salat qui, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pour une parole, veut dire, pour les fins encourager, et les fins aussi, les fins, une bonne parole qui les fins avertit nous contre négligence, celui qui fait négligence dans sa salat. Concernant l'encouragement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit dans un hadith qui, trouve dans Abu Daoud, Inna Allah qad amaddakum bi salat. Certainement, Allah fin augmente une salat pour vous. Allah fin augmente une salat pour vous. Wa hiya khayrun lakum. Et ça, les meilleurs pour vous, min humru ni'am, dans certaines riwayas, dans riwaya Abu Daoud là, et dans sa boutte là, mais hadith là, les authentiques sont sa boutte là. Et là, dans sa riwaya Abu Daoud là, il y en a sa boutte min humru na'am là, mais avec sa boutte là, il n'est pas authentique d'après Ban Savant, mais sans sa boutte là, et hadith là, il est authentique, comment veut dire, et Ban Ulama fin faire mention, wahiya l'huître, sa salat qu'Allah fin ajouté, et qui meilleur pour nous là, c'est namaz witir. Salat qu'Allah fin ajouté, et qui meilleur pour nous, c'est salat witir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit dans un hadith rapporté par Abdullah ibn Omar plutôt, Abdullah ibn Omar, sa parole, lui dit sa parole là, Al-Hafidh ibn Hajar fin mention ça de Fathul Bari, lui dit Ma asbaha rajulun ala ghayri witrin illa asbaha ala ra'sihi jarirun qadra 70 dhira'an. N'importe quand une personne lui joigne le matin sans qu'il ne fasse witir, n'importe qui s'en a, lui dit il a dormi. Il arrive le matin, il lève, il ne peut pas faire witir. Sadjimoun là, il joigne le matin, gagne un laco de l'eau sur la tête. Gagne un laco de l'eau sur la tête, longueur 70 coudées. C'est-à-dire, explication de Ban Ulama, mais montre que Sadjimoun là, il lève avec un manquement. Il lève avec, comment dire, un fardeau. Il lève avec, comment dire, un fardeau au lit. Il n'est pas, on dirait, un djimoun qui, veut dire, fin lever hein, librement, veut dire, avec un mood actif, non. Veut dire, un manquement dans la nuit, qu'il n'est pas de faire namaz, witir. Pas juste nous, l'encouragement pour nous encourage nos familles à faire namaz, witir. Encourage nos familles, nos madames, nos enfants, dans la case, encourage-nous de faire witir. Rapporté par Aisha radiallahu anha dans Sahih Muslim, il dit, كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يوتر
ayqadhani fa awtart. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire tout ce salat la nuit pendant que tu peux dormir. Et tu peux faire ce tahajjud. Aïcha radiallahu anha, tu peux dormir. Et lui dire, et tu peux faire lui en, moi tu peux dormir en long devant lui. Tu peux dormir en long devant lui, entre lui et Qibla. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait salat. Aïcha radiallahu anha peut dormir. Mais dire devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais dire entre lui, entre Rasulullah et Qibla, Aïcha radiallahu anha peut dormir. Quand l'Ichipé décide de faire witir, il fait ce tahajjud. Quand il arrive là pour faire witir, l'Ichipé lève-moi et allô, moi tu peux faire mon witir. L'Ichipé lève-moi et allô, moi tu peux faire mon witir. Il dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, l'Ichipé lève sa famille pour faire witir. Il dit, l'Ichipé encourage sa famille pour faire witir. Rapporté par Aïcha radiallahu anha, encore une fois, il dit, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا أوتر قال قومي فأوتري يا عائشة. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire salat pendant la nuit, et quand tu peux faire witir, tu peux dire, oh Aïcha, levez faire witir. Oh Aïcha, levez faire witir. Hadith dans Sahih Muslim, apporté par Umm Salama, radiallahu anhuma, et lui dire, en la nuit, استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة. Le prophète صلى الله عليه وسلم est réveillé pendant la nuit, فزعا, paniqué. يقول, il peut dire, سبحان الله, ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات. Alors il peut dire, سبحان الله, qui quantité de réseau que Allah fin fait descendre et qui quantité de fitna fin être révélé. Lève sa bonne madame qui dans sa bonne la somme là. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam veut dire, lève sa bonne madame, c'est sa bonne madame. Lève sa bonne madame qui dans sa bonne la somme là. Et veut dire, c'est-à-dire, il veut dire, lève sa bonne épouse, yuridu azwajahu likay yusallin. Alors, qui dit tu peux roder? Il dit tu peux roder sa bonne épouse afin qu'il banna faire salat, salat witir. Rubba kasiyatin fi dunya, ariyatin fi l'akhira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire, comme y'a qui peut habiller dans dunya, mais il peut nu dans akhirat. Comme y'a qui peut habiller dans dunya, mais dans akhirat, il peut nu. Hadith dans Bukhari. Et ce qui montre nous l'importance de ce salat là, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans voyage. Les pas tu délai salat witir. Nous comptons bien dans voyage, ban salat tatawwu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas tu peux faire. Les pas tu peux faire ban sunnat, ban nafil, quand il est en voyage. Au contraire, parce que, au contraire, faraz tu peux raccourcir, ban salat 4 à 4 tu peux vinder. Alors, les pas tu peux faire ban sunnat, ban nafil, autre que zis des salat tatawwu, qu'il est pas tu peux quitter, même dans voyage. Des rakats sunnat fajr avec namaz witir. Namaz witir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas quitte lui, même quand il est en voyage, apporté par Ibn Omar, radiallahu anhuma, il dit, كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. Dans voyage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire salat tout l'ail, le saumonture. Tu peux faire salat le saumonture. N'importe qui direction animaux là, tu peux virer. C'est-à-dire, même animaux là, tu peux virer dans l'autre direction, autre que Qibla, là, tu peux faire ce salat, witir, le saumonture, en faisant signe, excepté man salat faraz. Excepté man namaz faraz, tu peux arrêter, tu peux descendre, tu peux faire mes salat witir, mais tu peux faire lui, saumonture, tu peux continuer, et veut dire même qu'il est parti dans la direction Qibla, alors il peut faire salat là et il peut faire man action, veut dire en signe, et il peut faire salat witir lo somontu. Hadith de Bukhari. Comité fatwa ban ulama fatwa al lajna je dis ban salat ratiba les pas mashrou' dans voyage excepté des rakat sunnat fajr et salat witir. Veut dire dans voyage ban salat nafil et sunna n'est pas légiférer, veut dire ne pas faire, excepté des rakats sunnat fajr et namaz witir. Encore une fois, une autre parole de Manu Lama, le messager d'Allah, tu peux préserver cela tout l'ail quand il est parti dans voyage et quand il est dans voyage aussi. Veut dire, il n'est pas tu peux quitter lui.
parmi les salats qu'il n'a pas quitté, c'est salat, veut dire salat, tout le vitre, les petits dans voyage, les petits faire, les petits dans voyage aussi, les petits faire. Le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, les dire dans Majmou Fatawa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les petits faire 8 heures dans voyage, et les petits faire 8 heures quand les petits dans voyage aussi. Alors, comment nous trouver? C'est qui montrer nous l'importance de ce salat là, même le moyen de transport. Même si les bis, même si les lotos, on peut faire 8 heures pendant qu'ils peuvent, ou dans le moyen de transport, bien sûr, ou pas, dans une lotos, dans un transport qui, comment dire, ou chauffer, ou carrément, je dirais, comment dire, en même temps faire cela, te conduire, mais si on ne pas s'aser, veut dire, on dit, bon, qui, on assiste dans une bis, on assiste dans une loto, alors on peut faire ou cela, l'eau ou monture, les permissibles, veut dire, faire cela, l'eau monture, et il y a plusieurs hadiths qui prouvent ça. Nous citons un parmi ces hadiths-là, comme on fait le trouve hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un autre hadith rapporté par Saïd ibn Yassar, lui dire, moi tu peux aller ensemble avec Abdullah ibn Omar dans le chemin Makkah, quand Mofin paix, attention, arrive le matin, Mofin descend depuis mon monture, Mofin fait 8 heures, et ensuite Mofin al zwenli. Premier, get ça qui te souvient, get man salaf, comment tu comprends l'importance de ma 8 heures. Et dire, c'est un voyage. L'impé, attention, la nuit peut finir, il n'a pas réussi à faire namaz fajar, il n'a pas réussi à faire namaz witir, il a arrêté pour lui faire ce namaz witir, il descend depuis le surmonture. Alors, il finit faire ce witir, ensuite, il finit le zwenli. Ibn Omar finit demander lui, quand tu étais, alors, il dit, quand mon fin paix, attention, arrive le matin, mon fin descend depuis mon monture, mon fin fait witir, Abdullah ibn Omar finit dire lui, est-ce qu'il peine un exemple pour toi dans le messager d'Allah? Est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un exemple pour toi? Mofin dit, bien sûr, il y a l'exemple. Lui dire, le messager d'Allah, tu peux faire 8 heures ce chameau. Ce chameau, tu peux aller toujours et tu peux faire 8 heures. Qui fait le messager? Arrêtez-toi pour te faire tes 8 heures. Tu es capable de faire tes 8 heures, l'automonture, et il peut aller toujours et te faire tes 8 heures. Hadith dans Bukhari. Alors, mon frère, le dernier masala pour nos sessions d'aujourd'hui, concernant sa action qui nous peut apprendre, comment nous embellir nous la nuit avec lui, nous embellir nous la nuit avec salat witr, veut dire comment nous finir apprendre, soit nous faire lui avant nous dormir, soit nous faire lui nous garder lui nous retarder lui pour nous faire lui avant namaz fajr. Alors masala, est-ce qu'il salat witr lui obligatoire, est-ce qu'il est wajib, ou bien est-ce qu'il est faraz? Bon, dans l'école de pensée, je vais faire différence entre wajib avec faraz. Alors, nous servir le terme obligatoire pour ne pas tomber dans la confusion. Alors, il y a de l'opinion. Chez mon savant musulman, il y a de l'opinion. C'est-à-dire, il y a l'opinion qui dit qui est obligatoire, les wajib, et il y a l'opinion qui dit non, il n'est pas obligatoire. Alors, masalala, tous les deux opinions, je vais vous donner un dalil. Alors, nous ne pouvons pas pour citer tous les dalil, nous vous résumons masalala. L'opinion de man qui dit qu'il est obligatoire. Je te servis hadith. Un parmi les hadith, c'est hadith de Mustad Ahmad, qui, Cheikh Al-Albani, fin authentifié dans ce silsila, et dire dans sa hadith, Inna Allah zadakum salatan. Hadith qui fait traverser avec nous là-haut, Allah fin augmente une salat pour vous, wa hiya al-witr, et c'est al-witr, fasalluha. Alors, fais Ali, l'ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Accomplis Ali, al-amr, yaqtadi al-wujub. Dans sa hadith-là, l'amr, l'ordre. Alors, fais Ali, fima bayna salat al-isha, entre namaz isha, ila salat al-fajr, et namaz fajr. Et dans l'autre hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Abu Daoud, al-witru, haqqun ala kulli muslim. Witr, c'est un devoir pour chaque musulman. Witr, c'est un devoir l'eau chaque musulman. Et normalement, ce hadith-là, dans Al-Awsat de Imam Ibn al-Mundir, ce hadith-là, veut dire ce ban wording, c'est comme suite, Al-Witru haqqun laysa bi wajibin. Witr, c'est un devoir qui n'est pas obligatoire. Veut dire, dans sa version-là, il met le plus clair, haqqun laysa bi wajib, veut dire, witr, c'est un devoir qui n'est pas obligatoire. Alors, il y en a plusieurs, encore, dans les autres hadiths, qui sont phénoménés, et, par exemple, le phénomène, hadith, dans lequel, je veux dire, pour prouver comment il est grave, si un dimon ne peut pas faire 8 heures, un hadith, quand il y en a,
Man lam yutir fala salat lahu, celui qui n'a pas fait witir peina salat pour lui. Alors juste pour montrer comment, et surtout l'école de pensée qui l'ose à l'opinion là, c'est l'école de pensée hanafite. Dans madhhab hanafi veut dire witir li wajib, et celui qui n'a pas fait witir li gagne péché. Alors, mais l'autre, deuxième opinion, l'opinion qui dit que salat witir n'est pas obligatoire, l'opinion qui dit que salat witir n'est pas obligatoire, je dis salat witir est fortement recommandé. Les fautement recommandés, mais dire pour nous accomplir, c'est ce qu'on appelle sunnah mu'akkada. Il y a une sunnah mu'akkada. Il y a une sunnah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas quitter jamais, alors, mais il n'y a pas atteindre degré wajib. Il n'y a pas atteindre degré wajib, c'est-à-dire si nous quittons, nous gagnons péché. Je te prie, hadith de Talha bin Ubaidillah, qui trouve dans Bukhari, il dit Ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. En djibouni n'vin kod le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fa idha huwa yas'aluhu an islam. Il pose des questions concernant l'islam. Fa qala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond li, khamsu salawatin fil yawm. Tu fais 5 salats tous les jours, wa layla, et la nuit. Fa qala, hal alayya ghayruha. Sa djibouni la indir, ya Rasulallah, est-ce qu'il mouina l'autre petite chose apporte ça? C'est-à-dire apporte ça 5 namaz, est-ce qu'il y a l'autre namaz encore? Fa qala, la illa antatawwa'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non, excepté ce qui te fait volontairement. Hadith de Bukhari. Alors, Balnafin pense à Haditha comme preuve qu'il a dans il dit 5 salats obligatoires, peina witir. Il n'y a pas de salat witir parmi les salats obligatoires. Et dans un hadith de Anas, radiallahu anhu, dit une personne qui vient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit au messager d'Allah, informe-moi concernant salat qu'Allah fait obligatoire, au moins, c'est un hadith là aussi, c'est une narration là aussi, pareil. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne les 5 salats, Fajr, Zuhar, Asar, Maghrib et Isha, les panne mentionne la salatul witr. Parole de Ibn Omar, qui dit elle n'est pas wajib. Une série parole de Ibn Omar qui dans Ibn Hibban, le messager d'Allah, tu peux faire nafil, l'eau sur monture, dans n'importe quelle direction tu peux tourner, tu peux faire witir aussi l'eau-là, mais pas tu peux faire faraz l'eau-là. Alors, on va dire, si ça soit là, tu faraz, pareil, commence à 5 namaz-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors, il permet de faire salat nafil, l'eau monture, mais salat faraz nous. Ça veut dire, witir, n'est pas un salat qui est obligatoire. N'est pas un salat qui est obligatoire. Et une parole de Saïd ibn Yassar, les diamotiers en route ensemble avec Abdullah ibn Omar en chemin vers Makkah. Alors, c'est un hadith qui ne fait que traverse avec nous là-haut-là. Alors, que, et Abdullah ibn Omar Finjali, est-ce qu'il te bâtit capable de faire ce salat, l'auto-monture, parce que salat al-witr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il accomplit Ali, l'auto-monture. Le fin de servi, comme prévu aussi, parole de Ali, radiallahu anhu, dans An-Nasa'i, quand il dit witir n'est pas obligatoire, pareil comme un ban salat faraz, mais il y a une sunnah qui le message d'Allah fin établir. Il y a une sunnah fortement recommandée, mais il n'est pas une obligation, il n'est pas une faraz. Imam Ibn al-Mundhir, qui est mort l'année 319 Hijri, lui dit, c'est l'opinion majorité ban savant, apporte un Nu'man. Quand il fait une contredire à un savant et il fait une prétendre qui witir est obligatoire. Ça, l'opinion là, en même temps qu'il est en contradiction avec un récit confirmé depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il contredire ce qui est majorité ban savant fait dire là. Et qu'il n'a pas, qu'il est ban savant ou ban ignorant. Nous par contre, qui ken fait dire ça avant lui. Ne pas qu'une personne qui ne dit une parole pareille avant lui, c'est-à-dire, fin dire qu'il est witir li, les parmi ban salat, obligatoire. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, lui dire, la grande majorité de ban ulama fin d'accord, qu'il est sunnah, li pas wajib, ça, c'est ça la vérité, c'est ça l'opinion prédominante dans sa mas'alala. Et Cheikh Al-Taymin aussi pareil, il osa l'opinion là, qu'il witir li sunnah mu'akkada, et li n'a pas obligatoire, mais seulement, get qui Cheikh Uthaymin lui dire, witir li sunna mu'akkada, qui bizan n'a pas délaissé. Bizan, pas délaissé. Il peut dire, nous pas, quand il peut dire li sunna, li pas égal à synonyme de n'a pas fait du tout, ou bien néglige li, ignore li, non. Alors ça, c'était nos leçons d'aujourd'hui. Il peut dire, parmi ban action,
qui nous capable et faire nous la nuit vin, faire une bonne action dans nous la nuit, c'est accomplir nous cela tout dire avant nous dormir. Si nous connaît qui nous sommeille pas pour casser, mais si nous connaît nous pour capable lever mais hier nous retardons et qui nous n'a pas délaissé la soirée tout l'huître et pour nous qui nous fait nous établir li une sunna muakkada que nous rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li n'a pas fin délaissé mais dire même dans voyage li n'a pas fin délaissé. Nous demandons à Allah doua qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente nos connaissances, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde nous la compréhension. Allah donne nous tawfir qui nous mette en pratique ce qui les permet de nous apprendre. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.